Bon, bonjour YouTube, hein, et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming hein, pour une aventure givrée hein, en compagnie de Parzi et de Shinai. Bonjour, moi c'est Shinai. Et bonsoir, moi c'est Parzi. Ok. Voilà. Voilà. Ah, mais ça va faire mal là. Allez où la ville? Elle est loin. Wouah. Alors je te rappelle qu'il faut plus ou moins attendre dans le coin et que je ramène un bateau pour vous ramasser. Si simple que ça. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce qu'on va pas perdre des points Ah parce qu'on bah est dans si, le mais ça froid aussi? inévitablement. Ça. Bienvenue dans le Bienvenue dans froid. le froid. Ah, il fait jour déjà. Ouf. Full light d'un coup. Est-ce que je peux te ramasser? Même pas. Ah bah ça, c'est bien dommage. Bah voilà. En 2 PV, on peut guérir sur le bateau, trop bien. Trop bien. Ben voilà. Je dois combattre le fléau tout seul. Bon, c'est pas que j'en suis pas capable, mais. Un sanctuaire pour les gens textuels. Moi, j'ai pas ça. Embuscade. Ah non, moi, je joue un guerrier. Oh. Fais voir un peu ce que je donne. Parce que je sais pas ce que je joue. J'ai pas de bouclier déjà. Ce que je note. Non. Je vois que j'ai une plaque riftée sur le torse, j'ai les bottes de vitesse, d'accord, je suis parti sur un build guerrier rapide. Choc électrique sur le code. Bah c'est dommage pour la marque mortelle hein. Oh t'as l'air contre ma bonne dame. Ah oui j'ai 91 en puissance, ok d'accord, ça tabasse un peu. Bon bah oui ça a l'air d'être pas mal. Bon, mon build a l'air certain. Ça a l'air wallide. Ah, je suis full. Ok, je suis full point de concentration. Tu sais quoi, je vais en dépenser un pour aller là. Voilà. Ok. Donc, moi, mon build est acceptable. Oh, moins 5 PV. Cher. Du coup, moi, je reviens là. Comme ça, normalement, là, tu pourrais peut-être me TP. Oh ouais, c'est sûr, je peux te TP. Voilà. Hop là, tu vois, je peux te TP. De toute façon, on va aller tabasser le bourg, parce que c'est le prochain qui va s'activer. Ah ouais, là, et puis faire le tour, ça va être long, ma main. Oh la vache. Après, je peux peut-être nous TP avec mon guerrier. D'accord, j'y suis pas. Allez, quand faut y arriver, faut y arriver. Putain, t'es que level 7, embrouille le monstre à côté de toi. Faut pas le savoir, moi. Ça suffit, ça. On passe niveau 8, là. On a tout fini les conneries. Alors par contre Ange du coup je sais pas du tout ce qu'elle a sous le coude. Soin de groupe peut geler le type, peut geler en masse I suppose, ouais c'est ça. Le gros gel de masse qui fait moitié moins de dégâts, qui est ultra vénère. Ah oui, elle a la boulette de gel. La boulette de gel. Et que 65% de rentrée. Yes. Beaucoup. 5. Ah! C'est le bâton du pingouin. Ah oui, c'est vrai, le bâton du pingouin. Ouf! Alors, ça, par contre, c'est dégueulasse. Hein. Les monstres qui arrivent quand même à te coller des ralentissements alors qu'ils ont pas fait de parfait. Tu sais, les monstres qui arrivent à te coller des effets alors qu'ils font pas de parfait. C'est bon, je vais crever. Intéressant. Non, tu risques de crever. Hein. Je la prends juste pour moi, comme ça me gaspille pas mon action. Et en plus, ta pipe elle est déjà niveau 3. Et il est refroidi. Voilà, ça c'était l'attaque ultime. J'ai pas plus gros. Ok, bah normalement, hein, si tout se passe bien. Bah non, ça se passe pas bien. T'inquiète, ça vient soit c'est. Bon, on a un groupe qui tabasse pas mal quoi. Tiens, c'est pour toi. Mais c'est pour Ange, tu le sais. Hein. C'est pour toi, c'est une expression. Hein. C'est pour Blondine en vrai. Tiens, la blonde. Les galeries Lafayette vous remercie. On est tous les trois là? Ouais. Bah nice. Ah non, on est que tous les deux là. Ouais, ce qui est pas cool pour Ange. J'ai bien apprécié passer son niveau. Parce que bon, moi, on va pas se mentir, je vais tous me les ouvrir en deux. Je vais peut-être même commencer par ce Golio là. Voilà. Bon bah je vis celui du milieu, hein. Bon, on dit que tu fais ça, hein. Après toi, je sais pas ce qu'il fait ton banjo là. Ton banjo là.
T'as vu, ça c'est d'esquive à 15% ça. Il accélère. Il met de l'esquive. Bon bah voilà, j'en ai nettoyé deux, je te laisse le troisième. Je vais quitter le combat. Il perce l'armure. Il attaque améliorée, esquive améliorée. Ah. Bon, je le tape vite fait et après je quitte le combat. Bon, je le retape vite fait et après je quitte le combat. Ah non, c'est bon, je quitte le combat. Comme ça, t'as tout l'XP. Et je connais un dégât de plus. Boum, t'as vu l'XP que ça t'a fait? C'est pas beau ça, heureusement que je suis un frère. Hein. Ça dépend dans quel jeu on est. Ça dépend dans quel game on est, ouais. Quelle partie on est. Du coup, je pense que Ange peut nous ramasser là. Je peux ramasser tout le coup en effet. Ce que je vais faire. Ce qui serait bien, c'est qu'il y en a un des deux qui ramasse le bateau en fait. Genre, je vais ramasser le bateau. Hop. Non, non, je ramasse pas tout le groupe. Juste, je me cache jusque là-bas. Touk. Service. Récupérer le bateau. Celui-ci. In that pocket. Comme ça, on sait jamais si on en a besoin. On est bien. À moins 3. On a moins mal ici. Fait moins frais. Ah, tiens, il aurait fallu que je fasse la petite pierre de rune érodée. Avec ma magicienne. Ah, vas-y, reste en régénération de PV. Te fais pas de mal. Mais reste en régénération de PV, faut que je fasse la pierre érodée. Débilus, allô ? Attention de jouer tout seul. Oh, une catastrophe ça. Qui est le plus fast? Ah bah c'est mon autre bonhomme. Voilà. Ah mais on a un campement à faire ici aussi. C'est un campement de quoi? C'est quoi la quête? Ça c'est pour une potion, ça c'est tuer l'ogre hein, pour avoir, gagner l'égide du silence. Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah faut éviter le trouillou. Bon top, ça s'est bien passé. Ah ouais non, il n'y a pas d'embuscade. Hein. Je suis pas chasseur. Hein. Mais quoi? Mais on est toujours que deux dans ce combat, c'est quoi cette histoire? Parce que elle n'a pas le soutien à distance, je crois. C'est pas tu crois, c'est exactement ça. Je pourrais assommer ce crétin. Mais on pourrait aussi le massacrer. On peut le massacrer. Je ne le massacrerai pas. Ah bon? Attends, c'est bien dommage. Non, merde, en plus je vise le mauvais. Ah! Bon bah on est mort. Je ma vie est nulle. Combien? Combien de points de concentration était niqué? Non mais t'as pas gros, c'est bon, je vais le finir. Voilà. C'est pour laisser 4 PV, ça a pas grand intérêt. T'as pas tes dégâts de zone avec ta machette? Enfin avec ta machette, avec ton gourdin là? Non, j'ai assommé et choc électrique sur le coup. J'ai un d'autre. Sachant que choc électrique sur le coude, c'est l'attaque de base. Ouais. Et donc ça c'est cool. Voilà. Un coup de 4 quand même. Hein. Mais il me dégoûte à me ralentir alors qu'il ne devrait point. Par contre, on note que j'ai plus de PV et qu'on n'a pas de magicien avec nous. Merci. Ouais. Merde. Et misclick. Misclicked. Moi je reste là, par ta faute j'ai bobo au doigt. Bah quoi, c'est sérieux? Tout cassé maintenant. Ah ouais, c'est chiant. Situation chiante.
Situation très très chiante. Bah ouais, sinon faut faire tout le tour comme on avait fait, on s'était Je éclaté à faire tout récupère le que tour par 2 le bas. PV. Alors attends, sinon. Sinon. J'ai une vraie solution. Repos. 99 PV. On reprend des points de concentration. À toi, mon petit bonhomme, viens ici, viens faire une sieste à mon feu de camp. Ah. Adieu. Bon bah je vais perdre mon temple hein. Prends une herbe d'esquive. Prends une herbe d'esquive. Ah c'est ça? Ah oui c'est bon, ok t'as pris une. Ok bon bah t'es parfait. Oh l'autre qui m'a mis une tatane quoi, louf. J'ai l'impression que ton personnage est beaucoup trop faible. Ah tu crois? Franchement, 42%, est-ce que c'est pas 100%? Non. Et une baffe orange, une. Une marque mortelle, une. Ok, c'est parti. Choc électrique sur le code! Ouais, et dégage. Non mais là c'est la vue là par contre. Non, c'est bon, parfait. Hop. Ouais, bon, je vis, il est mort alors. Ça sert à rien ça. Hop. Eh pas genre. Moi je vais attendre que tu viennes te reposer, tu sais quoi, je vais faire un repos de plus, très bien. Allez hop, full PV. Vas-y, ramène ton boule de par 10 poils. Tellement fort en fait la ah. Rose Amadou. Tellement fort en vrai. J'ai presque envie de gratter un repos supplémentaire aussi sur place avec elle. Allez hop, et je vais déclencher avec avec le chat. Avec le barbe. Je pense que ça passe. Ouais, passe large. Après c'est un peu de l'abus. Alors qu'on ouais, pourrait juste les attaquer comme ça, vanille. Oh là. Alors. Ah non, je crois. Voilà. Ça inflige le gel et 20 dégâts de gel à tout le monde. Voilà. On fait des choses très rigolotes. Est-ce que je nous améliore l'attaque? Vas-y, hein. Pourquoi pas? What? Esquive à 19%. Hein. Et je rappelle que c'est Ange qui a le plus d'esquive ici. Hein. Puisqu'on lui donne toutes les concoctions de voleurs et de trucs et de machins. Ouais, c'est elle la vrai. Plus balèze. Un choc électrique sur. Oh, comment ça? Comment ça, pas électrique sur le coude? 20, mais sinon je peux juste abasser celui-là et je le finis quoi. Mais. J'ai demandé le mec de droite quoi. De mes grands morts. C'est lui qui ne veut que je ne tue personne. Apparemment. Ah. Passe. Passe. Équipé. Et voilà. Oh, c'est joli, hein. Dommage.
Des poubelles. Ok, donc il nous reste le sanctuaire de glace dans la mer glacée à aller taper. Donc là, il faut qu'on aille tout en bas à gauche. Donc, retour au battle. Je ne ramasse pas le groupe puisque je vais te laisser te soigner dessus. Je vais te laisser te soigner dessus. Et on te TP, on te TPera après quoi. Hop, comme ça. Mais il y a tout un bloc d'éther là qu'on n'a pas exploré. Il y a vraiment tout le centre là. Même les bordures de côte, on n'a pas forcé. Hein. Il reste un tour. Bon, ça sert à rien de sacrifier. Je vais y aller. Ah. De la chance. J'ai pas de chance. Je me casse. Salut, au revoir. Oh, mais non. Je te ramasse. Ouais, vas-y. Bah, je pensais pas qu'il allait dépop. Donc. Ça a des pop, hein, qu'est-ce que je te dise. J'essaye. Bon bah j'ai raté. C'était une bouteille? Non? Je sais pas, j'ai pas vu. Il y avait pas de rhum, ça sentait pas le rhum, je l'ai laissé couler. Ah, la magicienne elle se déplace vite hein. Pêche le nombre de points de concentration qu'on a avec nos deux personnes, hein, c'est ouf. Ouais. Je vais aller jusque là. Et je vais même descendre. Parce que je suis un suicidaire. Voilà. Il y a les bonnes de fou du roi. Donc tu ne me ramasses pas. Ok. Je vais essayer de tracer à travers la pampa pour essayer de trouver un autre donjon de mobs ou de crétins comme ça. Mais on l'a fait là. On l'a pas fait l'armurerie? Attends, prendre un... Non, nous n'avons pas fait l'armurerie. Mais tu vas où? Ah, tu vas en ville. Acheter du stuff et... Putain, fatigue. Comment ça je te fatigue? On a fait des déplacements pour rien et en plus tu viens de crash. Ah, oh, sérieusement? Tu sers à rien. Mais non! Tu sers à rien. Mais tu dégoûtes les gens. Les gens sont dégoûtés par ton existence, quoi. Non, bah je vois ça. Mais allez, l'aventure est créée, monsieur. Ouais, j'arrive, moi tu sais que c'est encore écran noir là. Tu veux pas jouer dans ton frigo ou dans ton. Dans une glacière? Ah, si tu savais que j'aimerais bien. Parce que là, je joue sur YouTube, ils t'attendent, hein. Ouais. Même si du coup ils en profitent pour mettre un pouce bleu, lâcher un commentaire et s'abonner et partager et dire à quel point c'est absolument incroyable ce contenu merveilleux quoi. Vraiment on s'est travaillé, c'est affiné, c'est monté, c'est scénarisé, tout est bien pensé, c'est incroyable. Et on est vraiment sur un travail de qualité. De qualité. On s'en bat les couilles sur comme d'hab, c'est formidable. D'ailleurs comme d'hab. Hein. Exactement. Voilà. Putain j'ai un moustique qui m'a piqué derrière une chaîne. J'ai l'impression que c'est moi qui me suis irrité, je sais pas ce que j'ai foutu, mais bref, ça gratte. Chagouagouette. C'est bon. Fini de nous faire chier. Bouge que d'une case. Merci. Tire-toi. Oui. Pourriture. Bah, attends, je te donne peut-être l'argent de Ange. Ouais, vas-y. Et peut-être les. Attends, peut-être aussi les merdiers qu'il y a à vendre, hein, du coup. Parce que le mec il se barre comme ça, mais on pourrait demander avant de se barrer. Je vais te filer les deux parchemins de téléportation, ils sont pas forcément à vendre, mais si tu trouves un parchemin de portail, ce serait mieux, puisqu'on peut faire passer tout le groupe. C'est bon, ça y est, tout est fait. Ouais, c'est bon, t'as tout, tu peux te. Va te faire voir. Alors. Ah, il y a des petits bouts de l'érudit, hein. Ça se pourrange. Des barbes de Dieu. Tu vas te calmer. Donc, c'est vrai. C'est pour Ange. Le bouclier du guerrier qui est quand même très bien. Hein. Ouais, il y a les bottes de fou du roi aussi qui sont très bien. On a pris l'égide. On a choisi l'égide. Les bottes de fou du roi. Ah, pour toi?
Bah ouais, carrément. Vas-y, hein. Et il n'y a pas de parchemin de portail, dommage. Bon, tu pourras m'en aider par chose. Et moi, j'ai commencé avec le guerrier à faire un tour là dans cette bouillasse là, qu'on révèle un peu toutes les zones là, parce que c'est n'importe quoi. Ah, il faut qu'on trouve un nouveau sanctuaire aussi à toi. Si tu fais n'importe quoi de ta vie, du coup t'as plus de sanctuaire quoi. Et on a déjà plus beaucoup de vie. Non, je ramasse pas le groupe, tu te débrouilles pour revenir en fait. Je peux pas ramasser le groupe sinon je ramasse le guerrier. Voilà. Donc j'attends sur place. Boum! La grotte de la Reine des Neiges. Allez hop! Baston. Ouais, j'ai trouvé une racine dorée. Ah, nice! Avec ma petite blonde. En noir. Incroyable. Voilà. La darkette blonde. Bâton pas loin. C'est avec niveau de crédibilité qui est quand même zéro. Ah, carrément. Le gros cube. Quelle question? Quelle question? Oh, mais arrêtez de me regarder comme ça! T'as fini de te faire taper dessus, hein. On va finir par croire que t'aimes ça, hein. Bon bah y'a plus de cube. Figure-toi que non. 91% de chance, hein. 91. Bah c'est 0% quoi. La grosse boulette, hein. Oh, bah. Ce taux de DPS, hein, c'est vraiment impressionnant. Le choc électrique sur ta tronche. Le choc électrique dans ta face. Tiens. Du coup j'ai été gentil, j'ai pas pris la moutle érudit. Tiens. Tiens d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je te file les herbes à vendre. Donc l'herbe de l'esquivette là. Hop là je te donne ça, il y a l'ortie d'encens, hop je te donne ça, le Zouka Dance, tout ça tout ça. Ça je donne un ange, j'évite de garder du rap sur ce bonhomme. Donc les mots de l'érudit je te les passe. Ouais, c'est toujours pour ange. Tant pis pour toi, c'est à toi de rattraper ton niveau hein. Ouais bon, pas vraiment. Ton problème. Pas le problème d'ange. Ange toujours le plus haut niveau, pas le choix. C'est comme ça. Parce que le personnage est plus faible du groupe. On va la mettre en royal. Vas-y là, arrête de me regarder comme ça, bande de. Bande de, t'allais dire quelque chose de grossier là. Hein. Bande de chiens que vous êtes. Choc électrique dans ta face. Allez, tu nous le termines là. Là, on y croit mort. Oh, jolie critique. Parce qu'en réalité, non. Sinon, tu termines. Bah, t'es immunisé de partout, toi. Bah, non, je suis. Ah, il m'a maudit. Mais non. Ouais. Bah, non, il m'a empoisonné normalement. Pourquoi j'ai pas d'effet de poison? Parce qu'il a. Il a raté. Pardon. Convaincu. 15 PV. 15 PV. Voilà. C'est beau ça. Et Ange est régène. Elle a un truc de régène sur une. Je sais pas c'est quoi. C'est bot, je crois. Passe. Ah oui c'est vrai c'est pour ton vrai mais en plus c'était au milieu. Ouais mais je suis le seul à pouvoir tanker voilà. Facilement. C'est un peu mon métier si tu veux le tankage. Et en plus t'esquives quoi. Choc électrique sur ta gueule. C'est ballon. Il faut pas se casser ton bâton là. D'accord. Non, ma masse ça peut pas se péter.
Non, et le bâton de ange. Ah, non plus, je crois pas. Peut-être que si. Quelle espèce d'importance. On sait jamais. Ange est là pour soigner. C'est sa vocation première et dernière. Non, il ne se casse pas. Le bâton du sorcier chèvre, hein, qui visiblement est un pingouin ou un manchot. Bon, à quel point on est chier ou pas sur les détails, mais. Go fast! Oh bah j'ai raté! J'aurais essayé! Salut! Ouf! Quoi, 80%? Mais quoi? Non! Mais 80% quoi! Oh la chienlit quoi! Je répare un peu. Waouh, merci. Allez, donnez-nous des coldas. J'ai déjà les mêmes. J'aimerais bien avoir les mêmes en doré. Oh. Pardi, il va falloir aller affronter des bots tout seul, hein. Ouais. Faut monter de le niveau. Ange. Ange, sa vocation, c'est de retourner en ville. Vite, fuyons, il fait froid, je vais perdre 5 PV. 3, ça va. Ok, Jean-Michel Bourrin. T'es dans le groupe? Bah tiens, très bien, ça te fait un peu d'XP, ramène-toi. Ouais, embuscade, ouais, que dalle. Oh, tu veux que je fasse une embuscade? Une la blague. Sinon vous êtes tous résistants à l'étourdissement, c'est quand même fatigant. Hein. Il n'a pas pu t'enchevêtrer. Un abominable homme des neiges. T'as vu ce frère qu'il a? Qu'est-ce qu'il est abominable? Ah, c'est surtout le temps en fait là, qui m'a... Genre j'ai bloqué ça. Eh, t'as beaucoup de raise, hein. T'as beaucoup de résistance magique alors que moi pas. Donc s'il m'infligeait 7... Ah. Mais non, on s'en fout, je suis déjà au max. Je surexplose mes 95 de force là. Je dois être à 96. Ah et d'ailleurs faut rendre les parchemins à Ange. À Ange. Ouais. Je vais continuer à galoper, hein. Galomdin. J'ai du stuff à vendre, hein, tu m'excuses, Eve. Alors. C'est pas Eve, c'est Ange. Eve, c'est l'archer. C'est ma chasseresse. Ah ouais, c'est vrai. Non, ça je garde. Tu peux envoyer 3 parchots d'un tel. De tel. De téléport. Je fais un petit coup de pompe après avoir mangé là, avec la chaleur, tout ça. Pouf. Donc, qu'est-ce que je suis, un vieux monsieur? Ça a l'air. Le travail a même pas dit sur la Steven. C'est vraiment sérieux ça? Je vais me cacher là. Ah. J'ai pas le choix, j'ai avec 2 moves. 2 vieux moves tout claqués. Tout claquos. Un nouveau sanctuaire se dresse devant vous. Voilà. Ouais, il a un d'être bien celui-là. Ouais, bah il est immunisé à l'empoisonnement donc il est toujours très bien. Ouais, c'est toi qui vois, c'est qui va. Hein. Tu peux tout à fait aller combattre avec Ange. Oh, il y croit en plus. Oh, il y croit. Oh, il y croit. Oh, il y croit. Bah ouais, on jette à basse. Pas tant que ça. Ah, celui-ci, quand même. Ça peut aller des fois. Et ils sont tous immunisés, c'est chiant.
Ah, ils sont tous résistants en plus. Bien la magie. Hein. C'est bon, je leur ai pas fait grand chose. Ouais, mais... Nous sommes immunisés tous les deux. Parfaitement parfait. La vie est dégueulasse. Bon, on va balancer que des grosses boulettes, hein, et puis bah ça. Hein. Jusqu'à que ça passe et jusqu'à qu'il crève. Hein. Waouh! Boulette. Là, bizarrement, on fait des crits là. Hein. Le mec, il reste de PV, y a pas d'embrouille. Hein. C'est trop ça. Tant mieux, j'ai perdu une action. Et là, ça passe. C'est le barbare ouais, c'est pour le guerrier. Oh, oh, ah bah, oui, tu vas aller le voir, toi, tu vas passer au temple. Tu vas le croiser. Ouais. Ça, je récupère. Là, j'avoue, je suis un peu loin du temple, quoi. Ah, ça va, hein, dans deux tourtillets, gros. Enfin, dans un tourtillet, même pas. Par contre, c'est vrai que t'as tellement pas de PV. Catastrophe. Catastrophe. Coucou. Tiens d'ailleurs, faut que je te lâche les sous. Tu veux le médaillon d'or ou pas? Je sais pas ce que j'ai. Ah non. Ah oui, je le veux bien. Non, j'ai le médaillon rouillé. Ah oui. En vrai, je vais l'équiper parce qu'il est quand même mieux. Ça, le jour où je veux changer une pièce, au moins j'ai le truc de niveau 4 sur moi. Et tiens, prends le bateau marchand. Voilà. Voilà qui t'a fait le plus grand bien, mon ami. Par contre, ouais. Tu bougeais d'une case, il te restait encore une case debout. Et non, je ne peux pas te TP. J'ai l'impression d'être le personnage le plus vigilant du groupe. Ce qui me rassure pas des masses. C'est méga mort, hein. C'est méga mort. Non, faut accepter, faut se dire bon bah là, là c'est mort. C'est tout. Donc là je peux manger mon bonbon noir. Et puis je peux continuer mon épopée incroyable à travers la tronche de ce mec là. Voilà qui me réchauffe un peu. Prochain combat, tu gagnes un niveau. Ouais. Nice. Si je viens là, est-ce que tu peux me TP? Descends par la grotte. Prends la grotte. Sinon... Je pouvais pas.
Ah, t'étais trop loin, ok. Bah oui, il m'avait donné que 3 de move. Non, bah t'es une case trop loin. Voilà, voilà. Du coup, je te regarde mourir. Je me régale, bien sûr. Par contre, eux, là, ils me saoulent, là. Ils sont très au milieu, là. Ouais, j'ai trouvé un autre portail. Bon, ça, on pourra l'explorer quand on se ramènera avec le bateau. Je vais explorer plus par là. Bon, je suis assez. Ah non, tu me parais bien loin là. ⁇ 42%, tout le monde sait très bien que c'est 42%. Aïe aïe aïe. Comment ça, rien à voler? Bah il a essayé de me voler mon or et j'avais pas d'or. Ah ouais, parce que c'est moi qui ai tout. Ça va, les esquives, tranquille. Suivra pas tout non plus. Faut le déboîter lui, hein. Bah vas-y, hein. Oh mais non. T'as perdu tout l'argent parce que tu t'es trompé de cible. Non mais non. Là lui là il va des pop là. Parce que tu vas pas le tuer. Mais c'est quoi ce mec qui esquive si tu lui fais pas un perfect? Donne-moi mes sous. Je vais. Mes sous, normalement c'est les miens. Félicitations, t'es niveau 9 au moins. Déjà ça te gagne. On a gagné une barbe de dieu gratos. Et un orti dans son aussi. Je fais le tour avec le bateau. Attends un tour sur place là, je voudrais juste explorer les trois cases jaunes qu'il y a là. Et j'arrive. Ouh, je vous. Mets-toi en région. Allô? Ah, dis pas à YouTube que t'es en train de crash, hein, ça va les saouler. Tu pourras me re-téléporter et Knarfang, le chat, le gros chat. Bah, le gros chat, le gros chat, il peut repartir par là. Oh, faut jouer des trucs et tout, vas-y. Hein. Bah, casse-toi maintenant. Yes. Quel bel arc, félicitations. Tous ces arcs si inutiles. La... On t'entend pas, tu coupes. Allô? Allô? Oh, c'est échappé. Bah voilà. A cassé le bateau. Ah, ouais, femme au volant, hein. Ouais, avec tout l'argent que t'as, tu peux descendre et faire réparer le bateau. Alors ça fait quoi? Ça fait que j'embrouille les deux là. Est-ce qu'on en veut vraiment? Bon, je vais embrouiller un par un.
T'es mis au choc électrique, mais pas au coup de latte sur la tronche. Voilà. Mes flûtes. Allô? Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir. Peut-être le bateau, ok. Non, tu t'en fous, ok. Salut, au revoir. Bon, violent. Vent. Allô. On t'entend pas, on sait pas ce que tu dis là. C'est fatigant là. Ah. Qu'est-ce que ça m'énerve de cracher comme ça. C'est bien con, hein. Ouais. Tiens, il y a des bouts de l'érudit là-dedans. Je pourrais faire un petit festival du bout de l'érudit. Il y a ton katana aussi dedans. Ah, mais katana. Là, t'es sur un stuff. T'es sur un stuff que tu peux servir du katana. Bien sûr. Mais ce que j'ai dit, le katana il ne perce pas. Non, il ne perce pas, non. Donc c'est un peu. Je crois que ça me fait passer sur des dégâts physiques. Par contre, il y a mon chapeau de sorcière aussi. Ouais, bah si tu veux, je te file la caillasse. Vas-y, hein, file la caillasse et tu me dis si je te prends ton katana ou pas. Hein. Ah, non, là. Bâton poli. Ça va être pour de là, ça va être dépenser des sous pour rien. Il y a le luth d'éclair. Ah ? Sérieux ? Faut regarder ce qu'il y a dans le magasin, tu vois. Et j'ai regardé tout à l'heure, il n'y avait pas le luth d'éclair, il y avait le luth. Ouais, mais un nouveau jour s'est levé depuis. Il y a la résistance. Ouais, ouais, le luth d'éclair. Ça pourrait être pas mal. Un luth d'éclair, katana, faut choisir. Bah, éclair. Très bien. Ah, si l'éclair il. Bah, faudrait que tu viennes l'acheter toi. Ok. Parce que j'ai pas assez de souillot. Donc, faudra que tu. Vendre ton merdier en espérant que t'aies beaucoup de merdier. Ah oui, putain, puis il y a la thune du guerrier aussi à ramener. Ça serait bien. Pas de quête annexe. Rien. Ok, sinon on peut aller se taper l'autre con à côté pour faire de l'argent. Ça marche aussi. Il y a un capitaine de pirate. Tu devais pas taper un capitaine de pirate toi dans ton histoire? Non, fallait que je trouve le capitaine Barbe Verte. Ok. Bon bah j'ai tout fait avec le guerrier. Hein. Je redescends. Hein. J'arrive. Hein. Vas-y, vas-y. Tu veux l'argent? Tiens, prends l'argent. On va embrouiller le pirate là? Ouais, vas-y. Ça, on adore. Quel courage cet homme s'attaque aux femmes. Quel modèle de vertu. Allez. Quand tu tapes, hein. Bah, c'est le capitaine des pirates. Je pense que tu vas pas tarder à crash. Hein. Tu fais beaucoup ralentir le. Ouais, je sens, mais non, faut que la connexion elle tienne.
Parce que ça m'énerve. On s'est pas fait beaucoup de thunes, hein. Après, je sais pas t'as combien d'objets, qu'est-ce qu'ils ont comme valeur, mais bon, si t'arrives à faire 100 balles avec tes objets, t'es bon, hein. Sinon, faut attendre que le guerrier redescende. 100 balles avec mes objets. Alors. Ah, c'est de 3 par ici, c'est de 3 par là, c'est de 35 par là. C'est pas suffisant. C'est de 10 par là. Marché. Insuffisant. Mon loot, il coûte combien? 250. 24, putain, j'aurais pas assez. Après, je peux vendre le bateau. Hein. Bah, après, ouais, c'était le bateau en rab, hein, donc si tu veux le vendre, tu peux le vendre. Là, t'as assez. Même pas, il me manque un PO, quoi. Ça, c'est dommage. C'est bon, j'ai assez. En vendant ton loot ? Non. Parce que t'avais l'autre loot sur toi, en fait. Hein. Ouais. T'aurais pu vendre. Évidemment, t'as vendu un truc hyper utile. Ah oui ? Quoi ? Je sais pas, mais je sais que t'as vendu quelque chose d'hyper utile. À vous tout. Un crochet, est-ce vraiment utile ? Bah ouais. Non ? Non, c'est autour du plus beau, du plus gros, du plus fort. Alors, est-ce que je peux ramener le groupe ? Ah non, vous êtes considéré comme n'étant pas dans les étendues gelées. Ça va me vénère. Bah vas-y, moi je reste là. Sérieux ? 5 PV à rester là. Tu de me décaler d'une case. Ouais, il faut que t'ailles nous mettre genre ici. Non, il faut que tu sortes ton cul, hein. Cherche pas. Faut que tu perdes des points de vie. Ouais, tu perds 5 PV. Sinon t'es pas sur les terres. Ouais, faire 5 PV, fais pas chier. Oh ! Fergus, attends, bouge. Fou s'est réveillé. On sait pas où est-ce qu'il est d'ailleurs. Si, on sait où il est. Ah ouais, d'accord, il est dans les îles tout à l'ouest. On arrive, toi. Ah non, c'est toi qui as mis un ping. Ah non. Ah non, c'est Ange. Ah d'accord, c'est considéré comme deux persos différents. LOL. Méga LOL. Bon bah je crois que je vais pas jouer tout de suite encore hein. Mais pourquoi faire? La France veut savoir. Pouvoir essayer mon nouveau lutte. Je pense pas que ce soit nécessaire. Et là tu fais un échec critique. Alors choc ignore la résistance. Résistance améliorée, attaque améliorée. Oh. Ah le bâtard. Sale schlag. Bah, quelque part j'ai un peu envie de te dire chais. Mais bon. Comment ça chat? Parce que je suis un gros chais. Ouais. Tiens. Ouais. Tiens. Tiens. Merci. Et n'oublie pas d'aller acheter de l'herbe à chat pour Ange, bien sûr. Ah bah bien sûr. Parce que t'as, si t'as pas ton niveau, bien sûr, c'est toujours de ta faute. Hein. S'il y en a de l'herbe à chat. Ouais, il y a mes barbes de dieu. Bah je peux en acheter. Ah, il y a le quêtard de givre. Ouais, mais t'as vu le prix? Bah ouais, fallait pas claquer toute la thune, hein. Comment ça? C'est toi qui as claqué toute la thune. Y'a la fraise dorée. Ouais, 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 t'as vu la thune aussi. Mais ouais, le loot, là, il me fait... Ça, il a des bons objets, hein. Même la pierre de la gemme de concentration qui donne plus 2, en vrai... pas vilain, hein. C'est pas dégueu, hein.
Ah mais attends, il faut que je te... Tu me dis rien, mais j'oublie de te donner la thune du guerrier, tiens. Enfin, tu sais, c'est pas avec la thune du guerrier que je vais acheter grand chose. Bah si, une barbe de dieu de plus. Voilà. Ah, du coup... T'es où, Tiens, ma petite dame. Et bah, c'est la fin des haricots, hein, nous sommes ruinés. Ça, c'est de la faute de qui, ça? T'as vu, je donne de l'XP, c'est pas beau ça? Ouais, j'aurais préféré gagner des thunes. Bah ça, ça dépend que de toi. Hein. C'est toi la machine à faire du fric. Hein. Quand on a plus de sous, c'est à toi qu'il faut se plaindre. Hein. C'est un peu comme si on se faisait tous tuer en combat, faudrait se plaindre auprès du chat. Oh, puissant comme sort. Où te est-ce? Ah oui, c'est vrai, je suis immune au poison, moi. T'as fini de te la péter? Chacun son tour, hein. Comment ça? Je pense pas qu'il t'a esquivé, je pense qu'il t'a ignoré tout simplement. Ça, faudrait faire. Mais faudrait essayer l'armure des enfers sur ton guerrier. Ça peut être très rigolo très très vite. Ah bah ouais, avec les renvois de dégâts. Surtout qu'en vrai je peux la porter hein, sans problème, hein. J'ai large. Et pour ça, faut tourner, faut se faire des mobs à... Faut se faire des mobs à balles. Puis faut avoir le niveau, parce que tu commences pas à l'avoir avant le niveau 10. Et pour l'instant, il y a que moi qui suis level 10 avec un de mes persos. Bon, bientôt deux, ah, mais... La vigilance. Voilà, je suis pas vigilant, moi. Je laisse passer. Voilà, 32% de chance de réussite. Allez, yes! Bah, tout le monde sait très bien que 80% c'est 0% quoi. Oui, monsieur. Deux fois qu'il me fait le coup sur un piège quand même. Hein. Mais fais gaffe, hein, tu sais ce qu'on dit. Hein. Non, fromage? Et jamais 203. Ah ouais. C'est vrai que c'est embêtant ça. Hop. Sur le groupe. Hop, c'est l'ouverture. Ah. Ah, ah c'est pour Ange. Ok, bah, c'est pour toi. Non mais t'inquiète, le meilleur marche, je te donne. Eh mais moi aussi je fais de l'XP là. Ouais, t'en as bien assez. Hein. Alors, tiens, un parchemins de téléport. Ça, c'est à vendre. Ouais. Et voilà. Est-ce que Ange peut atteindre le navire? Ange, elle atteint pas le bateau. Ok, elle a déclenché un combat contre un ours hibou. Avec 42% de chance de l'enculer. Bah voilà. Fan de l'infilé, hein, voulais dire. Voulais-je dire. Bon, je suis méga naze. Il reste 5 ouais, degrés. j'en aurais une miette. Trop dégoûté. Non, je l'ai pas senti. Ah. Oh non, mais elles sont trop bien les bottes que j'ai. Les bottes de la puissance. Elles sont trop bien. Je vais rester là.
Allez, viens déprendre vos niveaux. Enfin, sauve-toi. Ouais. Personne ne me l'aime. C'est pas faux. On te laisse prendre le bateau. Hein. Bah apparemment ouais, on dirait bien. Ah. Allez, faut avancer. Ah, il brûle carrément tout. Il a décidé que c'était devenu sa destinée. Exactement. Et voilà. Tout le monde. Bien GG à toi. Alors déjà j'ai enlevé ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop 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 hop. D'accord, il y a une caisse que j'ai pas vue, je le savais. Quoi, on prend les dégâts de froid quand même là? Ah non hein. Faut dire ça hein. Ah non madame hein. Non, 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 on veut pas. Ah si, c'est parce que je crois que le bateau il est endommagé. C'est normal, je t'avais dit de le réparer, tu t'as pas voulu le réparer. Pardon ? Ouais. Ça sert à rien de bugger quand je te fais des réprimandes. Ça, on adore. T'aurais pu explorer toute l'île quand même. Non mais ok d'accord. Tu ne sers à rien. Comme ça tu mets un... petit pied à terre et puis... Oh tu surrames hein, tu fatigues tout le monde hein. Oh Normandie, fallait pas poser la fibre végétale hein. C'était la fibre optique qu'il fallait mettre hein. Pas. C'est quoi ce guerrier tout en immunité que je possède? Très intéressant. Genre il esquive. Genre celle-là tu l'esquives espèce d'encule. Voilà, termine-moi ce débilus. Et terminer ça va être compliqué. Parce que bah, je en tableau. Que 27. C'est possible. Aïe. Chapeau, il a volé tellement loin. Bien. Et un orti dansant en plus. Que demande le peuple? Une barbe de dieu. Non, non, il va très bien le peuple sans barbe de dieu. Ah. T'es nul.
Attends, bouge pas, tu vas en prendre un deuxième. Oh. Oh, c'est la même, mais en mieux, quoi. Hein. Ouais. Bon, bah, j'overkill. Oh, utilisé. 19 de esquive. Ah, par contre, j'overkill en force, là. Hein. C'est vraiment... T'es au-dessus de la masse, d'ailleurs, là. J'avais oublié de te donner tout ça. Tiens, voici pour toi. Et on a plus de Panax ? Moi, il m'en reste une. Ah, faut qu'on aille acheter des Panax un jour. Ouais. Ça, c'était pour les gens musculeux. Chemin de téléport. Ça vaut au moins 2 pièces d'or. C'est une raison largement suffisante pour le tuer. Je vais vous laisser le tuer parce que moi, ma précision avec ce personnage est quand même pas dingue. J'aurais pas assez. Vas-y, je vais mettre le gros là au milieu. Hop. Tu peux lui enlever un point de vie, ce serait parfait. Par contre, faut pas te rater. Voilà, tu t'es raté. Il va se barrer avec le pognon. Heureusement, il est sous choc électrique et qu'il ne peut pas. J'ai l'impression que malgré le choc électrique, quand c'est considéré comme étant parfait, du coup ils ont quand même le bonus. Je sais pas si tu m'entends. Hello, oui, oui, oui. My old friend. Bon, on s'est fait Hello. On s'est fait voler parce qu'on n'a pas trouvé le petit lutin. On a tué le petit lutin. J'ai assez pour le ludivre s'il est encore là. Franchement, moi j'aurais besoin. C'est toi qu'on a le plus besoin, je dirais. Bah, c'est quand même très joli. C'est quand même très très joli. Oh là. Ça m'a l'air sympa ça, dis donc. Il gagne juste au-dessus. Ah ouais, ça va être des grands instants de souffrance. Des grands instants tiens, de douleur. Ami. Tiens, ah, mon ami. Trop tard, je peux plus la prendre, j'ai validé mon tour, mais merci. Bah, de rien, moi je suis immunisé au poison, donc cadeau. Ah oui, donc en plus c'était un peu dommage que c'était toi qui l'ai.
Ah oui, mais t'es pas immunisé au feu et autres machins. Ok. Bon. Mais ça le fait encore, ça, à la rigueur, ça passe Ouais, c'est pas les sur le plus tour. chiants. Vraiment, le plus chiant, c'est le poison et le poison. Et des fois aussi un peu le poison qui est chiant. Clé de l'armurerie. Ben, ça y est, on va pouvoir retourner à l'armurerie. Ouais, ce gros noce enflammé. 10% de dégâts contre vol. Hein? Ah oui, contre les créatures volantes. D'accord. Prends Polly le perroquet. Un casque qui fait encore plus mal. Mais ça m'intéresse pas. J'aime bien mon casque. Pour cette partie-là. Non, il faudrait que tu arrives à trouver, c'est de l'ARM quoi. De l'ARM, de la régénération magique? Non. Des De chips. la résistance magique. Ah, Resistance of Magic de la Rome. Ok, yes. Yes, I know, you want to say, bro. Hello, darkness, my old friend. I come to see you again. Tout ça, tout ça. Yes, I Candid. Et ben, je crois que ça tombe bien, je t'ai trouvé un bel endroit, regarde, pour faire une petite halte. Petite pause là. Ça te chauffe? Je t'en profite pour nous faire un tour de l'île. Bon, du coup, je veux pas dire, mais ces pirates m'ont l'air d'être un peu au milieu. Hein. Je crois qu'ils vont voler en éclats. Hein. Embuscade à 25%. Ah, mais on est sur notre bateau. Je sais pas. Oui. Oui, on les aborde, mais c'est nous qui sommes sur notre bateau. Ouais, c'est la logique du jeu vidéo. Alors, la logique qui se cache derrière, c'est parce que. Qui brise la système, c'est ça. C'est de la triche. Pour chasser. Celui qui a le moins de résistance magique, sinon. Ouais, bah c'est lui. Je perce l'armure. Ah, ok. Tape sur celui que tu veux. Et je choque. Ah, très bien. Excellent, si tu veux, mon avis. Je perce et je choque avec ça. Moi, ça me choque que tu perces. Ah. Ah, on a pris un petit dégât sur le bateau, je crois. Du coup, on va finir celui-là. Ce serait quand même dommage de mourir gelé. Oh, mais c'est ange, quoi. Ange venu du ciel. Ah, choc électrique sur ta face. Ah ouais. Hey, tu vois, t'as fini par rejoindre le groupe. Immunité à l'eau et la compétence trouve trésor. Ah, qui comme on le sait est plutôt rigolote. Mais bon, mon bouclier est tellement meilleur que ça dégage. Oh. Alors là, là il y a discussion. Oh! Là il y a discussion parce que je pense que. Ouais, je suis encore à 95. Alors même en changeant de bot, je suis encore à 95. Je voudrais juste check. Ah ouais, mais elles sont bien mes bots aussi. Elles font 4 de dégâts physiques. Là, je perds 2. Ah oui, mais je gagne 2 en renvoi donc c'est pareil. L'immunité aux brûlures, j'avais déjà. Franchement, ça change pas grand chose. Je perds bonus de force. En fait, ce qui m'intéresserait vraiment, ça serait de virer ma cote de maille pour celle qui donne de la force. Parce ouais. Que là, j'ai beaucoup beaucoup trop de bonus et garder en fait mes bottes de puissance. Ça, ce serait l'intérêt. Ce bah, serait vraiment mon intérêt. Ouais, on y va, on n'a pas le temps. Ah, mort, je l'ai dehors. Fergus, pauvre fou! Croyais-tu pouvoir nous tromper? Aïe. Donc là, il va nous voler et il va disparaître, on est d'accord. Hein. T'as suivi?
Ouais. Putain, cette mémoire. J'en démarre. Ça me fatigue. Il se barra peut-être pas. Il probablement se barra pas, mais bon. Pas. Adieu, ça je crois qu'il a pas trop aimé ma masse. Hein. Cette masse électrique, hein, elle est magique. Hein. C'est peut-être l'électricité qui sort d'ailleurs au bout qui me fait dire que c'est magique, mais je suis pas sûr. Ouais. Ah, c'est bon, j'ai tout exploré. Vous pouvez me rapatrier. Bah, je peux m'auto-rapatrier. Du coup, puisque je joue les deux bonhommes. Je vais aller par là, tac. Une fontaine de bits de vie. Je suis pas loin. Combattre une vie totale. Je suis pas ultra vif. Hein. Bon bah ça sera un combat. Des clochettes débiles. Excellent. Moins d'attaque, c'est pas très gênant. Un bouclier, ça vous sauvera pas. Désolé, mais y a plus rien, y a plus rien qui peut vous sauver, hein, les clochettes. Hein? Ah, vous échangez le bouclier comme ça? Ça, c'est dégueulasse, par contre. Ça, c'est pas drôle. On va piquer mon jouet. Non, mais ça suffit, oui. Mais oh. Agaçant. Vous êtes chiant. Mais c'est très fatigué. Oh. Crève. Ça va, tu t'amuses? Non, il me fait des sacrés dégâts en vrai. Hein. Parce que j'ai pas de résistance magique du tout avec vous. Regarde, 18 ans. 18, il me reste 2 PV et je suis mort. C'est sympa, hein. Et je suis en déficit, je suis obligé de fuir le combat. Je suis obligé de fuir le combat, sinon je crève. Et je vais être obligé de poser une bourse d'Amadou, sinon je vais mourir. Ah, il faut que je me déplace, je peux pas la poser sur place. Et je me repose, sinon je suis mort. Mort. Et bah du coup, je te propose de faire une halte par ici. Parce que moi, Ange, si elle pouvait méditer sur place, ça serait parfait. Voilà. Ou alors, si tu veux aller te taper la fontaine. Ouais, je vais essayer. Ah ben voilà. Vas-y. Mais c'est vrai qu'en du coup, tu vas pouvoir. Ah non, mais tu pouvais que tout claquer, mec. Ah ouais, c'est vrai. Il a fui le combat direct. Et claque tout, on claque tous tes points pour fuir le combat. Fais-toi un 100% auto, là, voilà. L'effet imbutable. Les clochettes débiles imbutables. Voilà. Une petite méditation et on est bien. Hop là, méditer. Je me serais jamais autant servi des bourses d'Amadou que sur cette partie-là en vrai. Bah, moi je fais deux repos avec lui parce que je m'amoche ultra vite. Bah c'est le seul truc qui te protège du froid en fait, efficacement, puisque les bateaux ça dépend s'il y a du vent, c'est pas trop en fait. Petite méditation ? Petite méditation. Ok. Bon, je pense que c'est bon, je vais ramasser le groupe. Hein. On entend des trucs kawaii. Jusqu'ici. Ouais, désolé. Nous ne t'excusons pas. YouTube te méprise. Ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on aille un jour réparer ce bateau quand on peut plus. Hein. Faut qu'on aille à l'armurerie au fait. Hein.
Ouais, je vois que c'est à peu près la direction que tu prends, donc je vais te suivre. Ah, avant, est-ce qu'il y a du stuff à acheter? Genre à Valongalacé là. Il y a un coffre à ramasser, ça je peux te le garantir. Oh, dommage. Ah, le Gladius. De combien la masse? 22, hein, autant que le Gladius. Et je crois que la masse, tu peux assommer et tout le gladius. Je sais pas si tu peux percer l'armure avec. Si, si, justement, avec le Gladius, je peux percer l'armure. Très très bonne arme, le Gladius. Parce que le Gladius, tu perces armure en base, c'est que difficulté 2. D'accord. Tu peux désactiver, donc ça réinitialise le tour de l'adversaire. Et t'as un coup de couteau précis. Alors, oui, qui est pareil, qui est le même coup, mais avec une pénalité de 10 pour traverser l'armure. Voilà. Au lieu de base. Mais le truc qui est intéressant aussi, c'est qu'il a divertissement. Enfin, un peu d'argent, Ah. tout con. Plus 5 en vitesse de jeu et plus 5% de chance de coup critique. Ce qui en Ah oui. fait une bonne arme. Mais bon, le choc électrique sur la face, ça fait ses preuves. On va Oui. garder le choc électrique sur la face. Maintenant. Il n'y a rien, pas encore ton kata, ton cimetière, c'est le même bazar que d'habitude. Par contre, il y a deux bouts de l'érudit. Je ne peux en acheter qu'un. Il y a un bouclier du cœur aussi. C'est nul. Enfin, c'est nul. 6 de résistance, 2 d'armure. C'est pas nul, c'est pas nul. Mais c'est nul. Oh, bah, radio, ça coûte aussi cher. Allez hop, donne-moi de l'érudit. Faut le savoir, moi. Hop. Je Utiliser, parle pas. utiliser. Hop là, ah, je peux pas retourner jusqu'au bateau, vous débrouillerez. Voilà. Pour me rapatrier. Allez, allez. On y va, on y va. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de te filer toutes ces souillous. Voilà. Il avait pas d'autres trucs lui sur lui. Ah si, les bottes de puissance. Regarde-les, hein. Oui, je voudrais les garder, je voudrais les changer vers quelque chose de plus sympa. Donc, tu n'oublies pas, tu t'arrêtes au quai pour réparer le bateau, ce serait formidable. Et nous sommes de nuit, si tu pouvais atteindre le marché nocturne, tu nous ferais grand plaisir. Ah, et attends, attends, avant que tu bouges, je vais vérifier qui a la clé de l'armurerie. Je l'ai, attends, je te l'envoie. Hop, je te donne les clés de l'armurerie. Voilà. Il y C'est a quoi un le os du parchemin de démon. téléport et les orties d'encens là? Enfin, l'ortie d'encens, t'en as qu'un. Ça, les panaques, c'est devenu rare ou quoi? On dirait. Hein. Ah, le chapeau du vénard, il coûte 20, quoi. Ok, cette liste de merdier que t'as à vendre. Ah, chemin de téléport, j'en garde un quand même, hein. Non, voir les deux, j'ai le parchemin de portail. Exact. Bon, bah, on va se geler les mirettes, hein. Non, 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 ce qu'il faudrait, c'est que tu dépenses un point, que t'ailles embrouiller le squelette nul tant qu'on est là tous les trois. En fait, ce qui serait bien, c'est que t'ailles jusqu'au marché nocturne, sinon après, il fera jour. À ton prochain tour, il fera jour. En fait, Il y c'est a ça le quoi dans le problème. marché? T'as vu ce qu'il y avait dans le marché? Bah, on peut pas voir tant que tu y es pas. D'accord. Le truc, c'est qu'il y a très probablement un bonbon. Oh, ça c'était une belle réussite, hein, vraiment absolument incroyable. On va t'immuniser, mais enfin, oser l'être dans la face, t'es quand même moins immunisé. Hein. Oh. Bah, yes. C'est beau ça. C'est beau d'avoir deux persos immunisés aux malédictions. Mais ils esquivent quoi, dès que je fais pas un 100%, ils esquivent cette attaque, c'est quoi ça? Il y a un bonbon du voleur, il y a une éponge de miel. Ah bah t'achètes les deux.
Et franchement, je pense que exceptionnellement, je vais donner le bonbon au miel au chat parce qu'il a vraiment aucune résistance magique. Je suis à 6 quoi. Ah, Ouais. et il y a ton quêtard de givre. Ouais, mais du coup, il perce pas l'armure. Celui que j'ai, il perce l'armure. Et il fait 25 de dégâts contre le feu. Ok. Tu peux me prendre le médaillon bleuie pour le guerrier parce qu'en fait j'ai le médaillon en or. Mais vu que j'ai 15 fois trop de force actuellement, bah je vais le remplacer par un truc qui fait des dégâts. Ça me paraîtra très bien. Des flots d'RP, on n'est pas en misère. Franchement, après ça va. Hein. Ouais. Voilà, bah tu nous ramèneras ça quand t'auras ouvert l'armurerie. Oh, l'armurerie, je peux. Ça t'en fait claquer 3, hein. Ouais, bah c'est pas grave. J'ai peut-être changé d'arme en fait. Ah bon? Ouais, temporairement. Oh ouais. Peut-être changer de bâton aussi temporairement. Ah, j'ai changé de banjo aussi temporairement. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Par contre, c'est vraiment que des Arthos claqués, quoi. Un peu, ouais. C'est un succès. Allez, ramenez-moi au bateau. Non, je te trouve bien dans le froid. Non, pas trop. Allez, vas-y, fais la distribution des objets. Régale-nous. Alors, ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Concoction du voleur, c'est pour toi. Éponge de miel, c'est pour toi. Et tu m'as demandé le bleu, c'est pour toi. Merci bien. Ah. Et ben je te donne les bottes des enfers. C'est donné. Ah ouais? Tu te sépares de ça? Ouais, j'ai été obligé de remettre mes bottes de puissance, sinon j'étais à 91 et non plus à 95. Parce que j'ai viré mon médaillon à plus 4. Ouais, et en fait, j'étais pile à 95. Sauf que je vire un médaillon de force à plus 4 pour gagner 3 d'armure, 3 de renvoi de dégâts et l'immunité contre l'acide. D'accord. On a bien l'immunité contre l'acide. Bien sûr. Là, faut aller. Je bisouquais à gauche. Hein. Ouais. Ça, j'utilise. Ça, j'équipe le bâton ancien. Bah ouais, on va à la fin du jeu. Hein. Bah ouais, ça a l'air. Hein. J'aurais juste peut-être s'arrêter pour récupérer de la vie, tout ça, tout ça. Je sais même pas si là on va en perdre. Non, pas de perte de PV. Donc tu peux même régénérer sur le bateau, ça veut dire. Ah mais j'ai pas de trucs qui me régène, moi, qui me permettent de régénérer. Bah passe juste ton tour en fait. On s'occupe du reste. Ah. Du rhum! J'ai trouvé du rhum! Bah voilà. J'ai trouvé du rhum. Oh attention, je vais lancer un sort. Ouh. Bah voilà, c'était juste une île. Oh, il y avait un petit village là-bas. Hein, pour fournir d'abri, de l'équipement de service et un travail supplémentaire. C'est un village. Y a pas de. Ouais. Bah, par contre, on dirait un village des lutins de Noël, quoi. Peu, ouais. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait un village de Noël en fait. C'est vraiment ça. Sauf qu'il y a une quête de Père Noël dedans. C'est trop bien. Ça fait qu'on va voir. Si tu veux, on peut aller faire un crochet rigolo pour aller voir. Donc tu régènes. Ah bah alors attends. Bah regarde, je vais rester sur place et normalement je régène pas. Voilà. Parce qu'on est sur le bateau, ils veulent pas qu'on régène. Du coup, en gros, moi je voulais embrouiller le bateau là. Yes. Pour voir un peu ce que nos armes donnent. Allons-y, hein. Oh là. Oh. Alors on peut partir sur un petit allumage au bâton magique. Sans aucun malus. Donc ça fout le feu à un mec avec 36 de dégâts. Voilà. Sinon, on peut allumer un mec pour 2 succès. 2 succès, monsieur. Et mais par contre on lui inflige 54 dégâts.
Ou on peut partir sur un petit allumage horrible à 4 succès. Avec un gros gros malus, par contre on lui inflige 90 dégâts. Va pour les 90 dégâts. Je peux améliorer notre résistance pour un succès. Ouais, par contre faut... La pénalité elle est énorme. Regarde, j'ai mis 3 crates dedans, je suis qu'à 48%. Ah oui. C'est un peu ultra chaud. Mais allez, vas-y, c'est notre cadeau. S'il vous plaît. Bon, alors là, on a un coup d'épée flat, 43 dégâts dans les côtes. Un coup d'épée de succès un peu plus vénère qui peut faire du dégât de zone. Qui fait 65 dégâts. Et alors, très très fâché, alors je peux améliorer l'armure bien sûr, et très très fâché, le plus fâché, c'est l'édition à 3 points, allumage, 97 dégâts dans un mec. Ah, et ça brûle le mec d'à côté, j'ai pas fait gaffe, excusez-moi. Alors. Ça crame aussi le mec d'à côté, visiblement. Alors, dis-nous tout. Bon. Ah, moi par contre, je fais beaucoup moins de dégâts que vous. Hein. Attends de voir le dernier sort. Je diminue la vitesse. D'accord. À 92%. J'ai un soin de groupe. Oh. Enfin, une guérison. Ouais, un soin de groupe. La guérison qui enlève donc les effets négatifs. Ouais. Et là, c'est pour tout le groupe. Hein. Ah ouais, c'est balèze. Je peux protéger le groupe. Donc, ça doit être. Je protège le groupe. Et après, je peux, genre, le réfléchir. Donc, pour te faire jouer plus vite. Par contre, un succès. T'aurais peut-être pu tuer l'autre. Ouais. Bah c'est pour voir ce que ça donnait en fait. Bon, tu vas elle va mourir des flammes tout seul au bout d'un moment. Ouais. Par contre, je vais peut-être nous finir par nous faire un petit soin de groupe hein, parce que t'es en sale état. T'es dans un sale état. Bah moi après je vais juste lui faire un coup comme ça pour savoir. Ouais c'est pas mal hein. Ouais, il aime pas trop hein le mec hein. Aïe aïe aïe. Et normalement il doit pas mourir lui. Bah t'en dommage aïe. Si il est mort. Ah. Bah t'en dommage aïe. Ils vont se calmer. Je répète on coule. Ça va encore. Ah bah voilà, arme brisée, c'était rigolo. Ah. Eh oui, c'est le problème de nos armes. Eh ouais, tu foires ta casse. Bah voilà, il pleut des panneaux. Ok, j'ai récupéré mon... j'ai rééquipé mon bâton. Oui, 8. Ah, moins 3 PV, on repart des points de vie là. Ouais. Il y a des récupérations, il y a des quêtes très bien payées à... Il y a une quête à 846 pièces d'or. Et dans le schéma, les barbes de dieu, les racines dorées, pêche marchand, crochet, katana, le gladius, l'arc d'argent est ici. Et c'est ouais, c'est ce que j'ai vu, l'arc d'argent. Le doré. Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai autant de force, j'ai les gîtes du silence qui me donne de la force, là, j'ai un build tout en force de la tête aux pieds décidément. Et bah voilà, on a fait le tour. Hein. Ouais. Je pense qu'on peut se casser hein. Je peux acheter vu que c'est nos dernières courses les fléaux des harpies, voilà. Ah et une bourse de Mimidou bien sûr. Ah ça on était blindé, on se permet une petite bourse de Mimidou, ça fait plaisir. Il y a une petite livraison aussi là. Ouais à 840 et quelques balles. 443. Ah je vois une quête à 846 moi. Sérieux? Ouais. Je sais plus ce que c'est, si tu veux je te remets. Ah ouais, ça. Récupération 846. Voilà. La lettre d'amour. Mais bon, on s'en fout, hein. Là c'est le rugby, hein. C'est terminé. Hein. Ouais, c'est clic droit, voilà, clic gauche ou en haut. C'est get clicked. Hein.
D'ailleurs, j'aurais peut-être pu remettre une, hop, une racine dorée sur ce bonhomme là. Hop, les bases de choc, les machins, de toute façon maintenant c'est du tout droit, c'est parti. C'est parti, t'as plus qu'à me ramasser. On va au donjon final. Ça aurait été un épisode un petit peu long. Avec un Shinai qui aura pas beaucoup parlé. Mais si, j'ai dit des tas de choses. Voilà. Et c'est un gros bâtard. Voilà. Et du fait qu'il n'est pas là, avec un peu de chance, nous allons réussir cette quête absolument incroyable. Donc c'est pas le moment de lésiner sur... Est-ce que tu peux balancer une herbe dorée à mon guerrier qu'on en ait 3 chacun? Bien sûr. Merci. Ah, on prend des dégâts. Hein. On souffre comme Jaja. Hein. Ah oui, je suis une méga tronche moi. Ah si, je me casse. On peut ignorer hein, trace. Hein. Ah merde, je pensais que tu... Ouais, bah c'est pas grave, tant pis, je vais le faire, c'est pas un souci. Vous voulez aller le... Oui, parce que je sais que c'est un truc d'XP et en vrai, bah l'XP il me tape, ça va. XP ça va bien hein. T'as l'XP, elle en a tellement ramassé par des astuces, trucs et solus que... Qu'elle en a quasiment autant que mon guerrier qui a passé son temps à taper sur des gars. N'hésite pas à te mettre une petite racine dorée avant combat. Hein. Ça t'as pas besoin de la claquer en combat. Et je vais quand même envoyer sur toi 3 barbes de dieu. 2 sur lui. Ouais, 2 sur lui, on est bon. Ouais, 3 aussi, hein, pas de raison. Ah. Impossible de réaliser quoi? Ah, t'as bougé, t'as quitté le crew, ça a fait bugger le bazar. Quoi? L'ignoble pute! Enfin, excusez-moi, c'est pas son vrai nom. C'est l'ignoble salope. Je crois que c'est ça son nom, non? Ah, je crois bien. Je sais pas, moi les gens ne tiennent pas au courant. Je vous ai refroidi. 122 dégâts. Mais c'est plus bien. Tu dégages. Et tu sais que j'ai encore une attaque plus puissante que ça après? Non, je déconne, c'est un truc trop horrible. Combien? Ah, tu l'as même pas ralenti? Bah si, mais il joue quand même. Oh. Oh là là. Ah, c'est un peu violent. Un peu? Ils vont pas me dire que c'est juste ça leur boss nul. Ah non, il y a plusieurs pièces. Ok. J'allais péter un plomb, je vais dire quoi, c'est quoi cette merde? J'ai signé pour ça, moi? On a bu tout ce temps-là pour ça? Comment ça, là, on fait... Faut dire, mon couteau a fait très très mal. Je crois que mon couteau, ils l'ont senti passer. C'est à F de le faire, puisque c'est F qui est la plus vigilante. Ange, excuse-moi. Oui. Yes. 86%? Et 100%. Alors j'avais 203, hein. Bon, c'était 80%. J'espère que pour chaque pièce ce sera pas du 80. Sinon je suis... Bon, pour l'instant, le problème que je vois pour cette game, que j'entrevois pour cette run, c'est qu'on a pas assez d'herbes dorées, hein, parce qu'on consomme. Ouais, après, le niveau de mon guerrier est pas trop loin, mais... Mais quelle patate. Le choc électrique sur le cône. Aïe. Alors, elle n'est pas sous choc électrique. On peut glacer tout le monde. Ah, il a limité à la glace. Ok, le vieux a limité à la glace. Très bien. Est-ce qu'il a limité à l'allumage? Non, j'avais plus assez de points. Je me suis dit, on va le tester quand même, j'étais à 50%. Bon, il y a quand même un cas dégagé. Hein.
Bah oui, voilà. T'es sous choc électrique, mec. Bah ouais, mais c'est pas grave, je voulais changer de lutte. Ouais, t'as raison, je vais casser mon épée, je vais changer d'épée. Enfin, de là, ce que toi, tu loupes... Les gens qui esquivent mon sort, ça me fatigue. Pouf. Bon, après, hein, t'inquiète pas, j'ai encore la masse. Oh, la patate en critique. Oh, ce non-respect de la loi. Maladroit. Ça, on s'en fout. Mais pourquoi tu meurs? Et je t'ai donné des herbes, pourquoi tu meurs? T'es chiant. Pourquoi oui, tu oui, crèves? Est-ce que tu m'as donné une Panax? Mais on s'en fout, je t'ai donné une barbe de dieu ou pas? T'en as 3 sur toi. Oui, oui. Pourquoi tu crèves? Bah parce que c'était pas à mon tour et la brûlure, bizarrement nous ça cogne à tous les tours. Eux les monstres, ça cogne un tour sur 7. Bah oui, mais enfin tu le vois, tu surveilles ta vie, t'ouvres tes yeux. Arrête de mourir bêtement. Déjà que t'as l'air bête quand tu tapes dessus, à main nue. Si tu veux, mon gars, il peut taper à main nue, il va te montrer ce que c'est. Hein. Si c'est hein. Ouais, 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 bah moi ça sera plutôt du 9 ou 10. À main nue. Ouais, bah soin de coupe, hein, parce que si je m'occupe pas de ton bout, là, tu vas mourir, quoi. Alors. Je vais nous lâcher un petit repos, du coup. Voilà, parce que elles servent à ça, hein. À ce stade-là, les... Ouais, on sait pas combien de niveaux dans ce là, par contre. De quoi? On ne sait pas combien il y a de niveaux. Bah non, on découvre, hein. Nous découvrons les lieux. Ah ouais, je joue vraiment loin. Alors, la première aventure que j'ai fini plusieurs fois, là c'est de la découverte. Quand pour ça, ça passe pas. C'était très rigolo. Voilà, il a terminé, elle est facile. Elle fait quelque chose d'utile. Ah, mais c'est stylé ça! Oui. C'est fatal! On a pas de bateau, c'est pas un bateau, mec! C'est de la neige! La côte! Ah. Connard! Voilà. Bon, ils sont trop cons, il va falloir que je les tue, c'est ça? Ah, bien l'impression, hein. Non, mais ça c'est overkill. Ouais, ça suffit. Ça suffit pour faire mal, ça suffit pour que tu puisses le terminer. Termine peut-être le gros. Oh, c'était trop métal pour ses oreilles. On dirait bien. Ah, la musique, elle est trop bien. Tu m'étonnes. Ton flot qu'il a été payé. Ah! Utilisé. Oh! Ça c'est pour ma meuf. Ah, à moins que tu le veuilles. Non, vas-y, prends, fais plus ça. Je vire l'inspiration, on a plus trop besoin là où on en est. Hein. Ouais. Pour du DPS. Ouais. Plus de DPS. Ah, oui, bah. 3 deuxième magique, 8 de crit. Hein. Un sale voleur. Un cinéal. I can see a cinéal. Wouah! Tu lui as fait la danse de la bourse. C'est la danse de la bourse. Vous avez annoncé des canards dans votre tête, c'était gratuit. Bon, le seul mec qui reste là au cours de cette vidéo. Voilà, je lui ai pourri sa vie. Ça me fait plaisir. Ça saurait plutôt. Non, sa vie parce qu'il va la chanter demain au travail, puis il va perdre son boulot. C'est trop horrible. Il va perdre sa femme, ses gosses, son job, tout. La totale, quoi. Bon, il veut pas crever le gros avec son cul à l'air là. Ouais, non. C'est le genre de mec qui aime bien avoir le cul au frais, ça. Oh, un petit coup de lame dans le genou là. Ouais. Ouh. Il est métal ce truc, hein. Oh, waouh. 15 oh. d'armure. Waouh. Oh. Oh, mais par contre, je perds 5 de force. Ce qui fait que la lame risque beaucoup plus de se casser. Mais bon,
Croutade où on en est. J'ai envie de dire, régalons-nous. D'ailleurs, je vais voir la tête de cette armure qui doit être absolument incroyable. Bah ouais, je vais boire avec mon gros. Ah, je peux faire un soin total du groupe. Yeah. Bah voilà, les pâtes. Même si. Ça, c'est cadeau. Bon, bah du coup, pas de Panax, pas de camp. On y va, on tabasse, hein. On tabasse des raies, hein. Allez hop, on est prêt, hein. Oh, on est tous à plus d'une centaine de PV là. Mais bon. Ah. Je suis confuse. Toutes mes confuses. Ah, du coup, c'est moi le guerrier qui joue avant tout le monde. Feu. Feu. Et ils auraient pu prendre 25% de dégâts en plus s'ils avaient été gelés. Oh. Bon. Aïe. C'est de la bombe, okay. Bon, en vrai, ça va, il me tape, ça va. Allez. Chose intelligente. C'était intelligent, je pense. Rendre des points de vie, je crois que c'est toujours une action intelligente. C'est que si je me prends la marque de la mort, là, c'est la mort. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir à lui rentrer 83 de dégâts physiques auto. Bah, yes. En fait, ils sont transformés en 77, hein, des os. C'est un peu overkill, hein. Tiens, prends encore un peu de pognon, là, parce que... On en a pas assez, hein. Ouais, ça sent un peu la galère là. Ouais. Ah, qui va être vigilant. ...86%, ça passe. 86% c'est 100%, 81% c'est 0%. Les stats de ce jeu sont incroyables. Les lancers de dés de ce jeu. J'ai trouvé une herbe, j'ai trouvé une weed. J'ai dû trouver une weed parce que j'ai entendu le bruit de ramassage d'herbe. Tiens, ah d'ailleurs je vais redonner une herbe dorée à mon autre bourrin. Parce que... Ah c'est possible. C'est possible. Ah tiens d'ailleurs je vais en faire tourner une. Je vais même en faire tourner deux à Jean-Claude parce que je crois qu'on est deux. Ah non, je vais t'en faire tourner une aussi. Parce que moi je suis immunisé aux malédictions. Donc. Ah bah puis moi vu que je suis plus mort. Voilà. Donc ça c'est bon. Ouais, les herbes dorées, je pense que je vais toutes les consommer avec mon bourrin parce que vu l'épée qu'il a, je pense que. Bah ouais. Je pense que ça se légitime. Ah non, feu follet. Ah j'aime pas ça. Bon bah ça va être feu follet first, hein. Il est immunisé au gel. Il fallait être immunisé à tout, évidemment. Sinon, ce serait au pas feu, aussi drôle. Au givre. Ouais, on va voir à quel point il est immunisé au feu. Oh pas plus que ça. Oh, ce critique. Il y avait des gens sur la carte, je crois, non? Allô? Eh non, je suis désolé, mais tu vois, ce jeu n'est pas très roleplay quand même. Il est pas très lore. Parce que théoriquement, vu toutes les flammes de l'enfer que je viens de déclencher, là, il fait chaud dans le pays. Hein. Il fait chaud, il y a plus de neige, hein. Centurion est descendu. Et c'est ça, il y a un microclimat, ma gueule. Je vais mettre un repos du groupe pour récupérer des points de concentration. Et puis c'est mort. Tain, on monte, hein. Ça s'arrête quand, là? Des gens qui sont immunisés. 6 PV, ma salope. Est-ce que tu peux lui arracher 6 PV, s'il te plaît? Mets un point d'atout. Un point de concentration. Parce que sinon, je peux pas nous... Là, tu vois, je vais nous régène et bah, je vais nous régène pour rien. Toi, tu vas gaspiller un point. Le feu de camp nous rend 2. Y'a pas un combat encore après? Oui, il y a un combat encore après, mais enfin, je veux dire, t'es large en point. Récupère là. Hop. Moi, je suis misé feu, gel, acide sur mon bonhomme principal là. Voilà. Et je veux dire, vaut mieux que tu sois un peu tapé dans tes points que pas du tout en fait. Gaspiller du point. Vois-tu, je veux dire. Si on peut appeler ça gaspiller du point. Aïe.
Hop, ça sent le gel. Pff, ouais, mais celui que je voudrais toucher, il va pas. J'ai pas de peur pour les deux autres. Oh, si, petit critique, c'est passé quand même, hein, ça fait bobo au doigt. Par contre, là, j'ai que 2 points. Alors, ouais, on va jouer à 2 points. Tant pis. On sera obligé de combattre un peu, les gars. Parce que je veux pas. J'ai pas des herbes infinies, quoi. Moi je file toutes les herbes directement au tank. Mais ça en fait qu'une. Ah, lui je peux le tuer lui. Bah tue-le, hein. Avec grand plaisir. Quoi? Bah il a 18 d'armure. Oui. Tu perds pas. Je voyais les dégâts en CC, je voyais largement au-dessus. Ah et puis en plus il nous met un choc électrique quoi. Choc électrique sur le code. À tabasser le con. Léger hein. Après, ils sont défoulés hein, sur ta gratte hein. Je suis en train d'écouter le nombre de pistes qu'elle a, ils sont régalés dessus les cochons hein. Ils ont enregistré des pistes hein, pour ta gratte. 4 ou 5 hein. Soin de groupe ouais parce que t'es mort. Bah juste après on pouvait claquer Non y'a un coffre. Et donc c'est peut-être une mimique, c'est juste un coup. Ok. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Est-ce qu'il perce l'armure? Ouais. Il perce l'armure. Ouais. Ignore l'armure. Mais... Moins 10%. On va essayer hein. Ah mais t'as pas de bouclier, c'est du gâchis. J'ai pas un petit bouclier qui traîne là. Et t'as perdu du dégât aussi là, non? Non. J'ai perdu un dégât. Ah oui, t'étais à 34, ouais, c'est ça. Et tu fais du physique, ok, bon, bah, ça marche hein, si tu veux à la limite. Non, bah je regardais, hein, mais non. Non, bah garde le couteau si t'as du perce à l'armure et que c'est mieux. T'as qui juge. Bah, je vais l'essayer au prochain fight et si j'aime pas. C'est toujours bien d'avoir un truc qui perce les armures quoi. Parce que bon, si c'est de la résistance magique, tu t'en fous. Et si tu perces l'armure, bah c'est parfait. Bon, bah repos du groupe. J'en ai prêt. Merci les portes de Mamadou. Ah, bah le voilà. C'est ça ton fameux dragon là. Lune blanche. Bah ouais. Tout ce qui brille n'est pas d'or, mais tout ce qui brille m'appartient. Bonne chance, mortel. D'accord. Allez, 700 PV. Ah non, ça va. 75. Ouais, j'ai déjà tapé plus gros. Hein. Tout du moins aussi gros. Plus je sais pas, j'ai oublié de filer une arme dorée à mon gars. Je suis deck. Mité au gel, mité à l'électricité, ok, éliminez à tout, les chiants. Il m'a refroidi. Eh, j'espère qu'il a pas de pastis, sinon ça va mal tourner. Je la ridicule moi avec mes dégâts. Non, c'est juste que moi j'ai des taux de DPS très très élevés mais... Ok. Ouais, je crois que je vais changer, je vais me remettre au lutin.
Bah non, là, tu perces l'armure, mec, hein. Ouais, mais avec le lutte, ça beaucoup plus fort. Est-ce que j'ai mon lutte métallique encore? Ah, l'épée vient de se briser. C'est fini pour l'épée. De toute façon, j'avais plus de points j'avais plus de points de concentration. J'aurais dû taxer les herbes, j'aurais dû me taxer une herbe orange. Là. Là, on a été bête. Là, on a été bête parce que j'avais vraiment une arme craquée pour le défoncer. Ouais. Oula, par contre, je vais me prendre moult dégâts. Saignement. Ouais. Bah, merci le jeu, hein. Vraiment trop aimable. Hein. Ah! Très joli esquive. Bah, merci bien, mon petit. Olé! Hola! Alors, à titre informatif, puisque tu posais la question, à main nue, je mets des patates à 20 dégâts physiques. Combien? Oui, monsieur, c'est bien ce qu'on a dit, ouais. 20 dégâts physiques, ouais. Y'a pas d'embrouille. Ah, t'es pas immunisé contre le gel, toi, par contre, hein. Je vais te geler à ton bouche, j'arrive. Ah, j'aurais dû faire un soin physique. Je sens que je vais regretter ce choix. Ah, si, immunisé contre les juifs connaissent. Ouais, je vais me faire tuer par le poison, par le saignement, quoi. Ah bah tiens. Ouais, mais toi t'as une panax. Ouais. Allez. Soin de groupe. Je sais pas ce qu'il essaye de nous coller, qu'on est immunisé là. Tous là. Ah, il essaye de nous faire des dégâts de gel sûrement. On est tous immunisés au gel. Je vois que ça. Tu vas vraiment rater 2D sur 4. Ouais, bah, hein. Ouais, c'est la dernière. Je le tue pas. Ah si. Ah si. 5 000 boules. Attends, je l'ai gagné combien? Combien? 1004. Boum. C'est de la boum, bébé. Un dragon. J'imagine que ça explique pourquoi les gobelins fuyaient vers le sud et semaient la panique dans les bois frissonnants. Eh bien, je crois que des félicitations symboles, bon travail, vous avez vaincu ce dragon et remporté tous ses trésors. Je proposerais bien de fêter cette victoire à la taverne, mais il se pourrait que j'ai encore égaré ces registres. Bonne chance pour votre voyage de retour. Et voilà, nous sommes officiellement des héros. Voilà, bravo à Shinai. Merci. Voilà. Bravo Pardi. Merci. Bravo Knarfang. Félicitations à ces trois héros qui ne sont pas nos héros. C'est la première fois que le jeu met des héros qui sont pas les miens. C'est bizarre ça. Ah ouais, moi aussi. Ils ont eu la flemme de nous faire des statues chromées. Carrément. Voilà. Bon bah on aura fini plus ou moins pas mal le jeu quand même. Hein. Alors après il y a un des personnages, ça pourrait être le mien. Parce que je rappelle qu'un chat ça peut être une femme. Et qui dit que je n'étais pas une furie, en fait. Ah, c'est vrai. J'étais une femme déguisée en chat, en fait. Par contre, le truc, tu bugs. Ah, le petit crash. Le petit crash réglementaire. Bah, on dirait. Ah, bien. C'est bon, on est revenu sur l'écran principal. Bon, bah, des bisous YouTube, hein. C'était la partie Fang Javré, Givré, là. Je sais plus comment ça s'appelait cette aventure d'ailleurs. La partie Fang Givré. L'aventure Givré, c'était l'aventure Givré. Et puis bah on vous dit à la prochaine, hein. On vous fait des bisous, à la prochaine, ciao.